entreprise, c'est Les Alchimistes Hauts-de-France. On se trouve ici à Lille Saint-Sauveur, derrière la mairie de Lille. Notre cœur d'activité, c'est la valorisation locale des déchets alimentaires. Alors, l'activité est fondamentalement durable puisqu'elle s'inscrit pleinement dans l'économie circulaire. Donc on va collecter un déchet, éviter qu'il soit détruit et le transformer en quelque chose d'utile et de très intéressant pour les sols, pour la terre. La proposition des alchimistes, c'est vraiment d'aller collecter localement les déchets alimentaires qui sont issus des professionnels, mais aussi des particuliers, afin de produire donc un compost qu'on pourra redistribuer localement à d'autres professionnels qui font du maraîchage et à ces mêmes particuliers qui ont des envies de jardinage. Avec cette activité, on va nécessiter deux fois plus de main-d'œuvre. C'est un choix stratégique de l'entreprise pour créer de l'emploi local et pérenne pour le territoire. Donc avec 1000 tonnes collectées par an de déchets alimentaires, on peut créer 6 emplois d'opérateurs et on veut créer 4 emplois d'insertion sur ces 6 emplois pour le territoire. Donc deux exemples de notre démarche RSE, c'est dans un premier temps un système qui permet aux Lillois de nous rapporter leurs déchets alimentaires pour que nous les compostions pour eux. Et un deuxième volet, sensibilisation, où on propose à tous les Lillois de venir nous visiter pour comprendre à quoi sert le compostage. Notre objectif, c'est bien sûr d'aller capter beaucoup de déchets alimentaires pour produire beaucoup de compost. D'ici la fin de l'année, on espère obtenir une masse de production de compost d'équivalent de 40 tonnes par an, et donc ce sera autant d'hectares qu'on pourra valoriser.